Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de CK3. Aujourd'hui, on est toujours sur le roi de Romagne. On n'a pas encore de revendication, mais je crois qu'on est toujours en train de. Il faudrait qu'on arrive à choper ça. Et ça, c'est fort, ça. Non, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. Tac, 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 tac. Restaurer l'Empire romain, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire ça? Restaurer le Saint-Empire romain, ouais, non. Il n'y a rien de ça dans cet empire. Hop! Continuons. Alors, aujourd'hui, on était. Je voulais faire diverger la culture pour pouvoir. Ah, bah ça, c'est cocasse, hein. Il s'est fait assassiner, a disparu sans laisser de traces. Duc de Gênes, c'est pas mal. Il vient de se faire enfermer. Oh là là. Ça, c'est terrible. J'avais encore tant de choses à vivre. Pourtant, il était pas si mal aimé. Ah, le cruel. Mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai 31 ans, il a disparu sans laisser de traces, dénoncé comme héritier par l'Église. Il souffrira sûrement pour ses péchés. Combattu 4 guerres. Mode de vie atrique, dévoué, célèbre. Est un redout. Table, ok. Donc, comment tu dis? Le roi Alberto monte sur le trône, bénéficiant d'Azabé. Ah, ça c'est. Ouais. Ça c'est cocasse. On risque d'avoir beaucoup de merde. Avec ces histoires de co-règne et tout. L'avantage c'est que. Non mais. C'est moi d'abord. Ah putain, merde, j'ai bien dit qu'on ne m'aime pas du tout. La top, faut faire gaffe, quelqu'un qui m'aime bien. Ah, y'a personne qui m'apprécie, c'est fort ça, putain. Est-ce qu'il m'aime pas? Il m'aime pas parce que ces histoires de couronne, autorité couronne limitée, ouais. Ça, je m'en fous, couronne, ouais. Détient quoi? Le seigneur de Liège détient un duché de Jure. En deçà de sa limite, ouais. Ah, je suis sadique. Ah putain, mais je suis encore qu'un enfant. Je suis quand. Oh la merde. Oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon. C'est l'enfer, mais on va faire avec. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est vous, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça la question. Moi, je voudrais aller niquer ces paysans. Je pourrais styler le point de ralliement de mon truc à la base. On va le mettre ici pour le moment. Toi, tu feras l'affaire, c'est parfait. Votre. Ouais, c'est bien. J'ai pas lu ça. Bon, c'est pas grave. Un peu de prestige, mais j'en gagne déjà pas mal avec ça. Avec ces conneries. Oh là ouais, non mais attends.
maison Alphine. Elle a des revendications, celle-là. Ah oui, d'accord, elle a des revendications sur toute l'Écosse. C'est bien, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ah oui, donc ça, c'était pas spécialement, on va dire, prévu. C'est pas grave, on va faire avec. C'était pas prévu, mais on va faire avec. On a toujours les mêmes objectifs en soi. Le problème, c'est que je connais pas l'italien. Ah si. Je connais le français et l'italien, c'est bien. Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est dommage. Je vais faire en sorte que lui m'aime bien quand même, parce que ça serait franchement. Ouais, mais après, tu vois, ils m'aiment pas. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est juste que qu'on règne, ouais, voilà. On va prendre le brave, hein, on s'en fout. C'est pas ce qu'il aurait fallu le mieux parce que là c'est beaucoup dans le. Ah, c'est assez équilibré. Je suis pas ce qu'on pourrait être dans le meilleur des profits. C'est qui ce type en fait? Qui est en train de faire mon éducation. Ah non, mais lui c'est pas mon éducation, lui c'est mon. Oh, j'ai pris un type un peu au hasard, j'ai pris en intrigue, on ne sait pas, on verra. Parce qu'à la base c'était mon père qui faisait le travail, qui est mort dans des circonstances, on va dire. Je peux pas enquêter. Il n'y a pas une option pour enquêter. Ça sera refusé. Et ça, bah ça c'est mon frère. Ouais, bah tant pis, il gardera ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai une petite affaire à soumettre à votre approbation finale. Bien que vous n'ayez à lire en détail, monsieur, je vais. Effet sur le vieux Carnot ignorant de Spolette, obtenait une revendication sur le comté d'Oviedo. Je peux pas refuser. Oh, mais je perds tellement de prestige si je mets. Mais c'est quoi? Obtient une revendication sur le comté de Viedo, perd envers ce type, on s'en fout. Devient plus proche d'une rivalité avec. Ah, mais tu vas te faire un ennemi, toi, en fait. Le contrôle changera de moins 30. J'ai beaucoup de pouvoir et ça, c'est un enfer. Bah, permets-toi, mais franchement, c'est pas dingue. Faire pencher l'équilibre. Pourquoi tu as fait ça? Ah non, il prend que de l'or. Ouais, non, mais c'est pas du 10 moi que je veux. Hein. Et c'est qui ce type en fait? Votre régent. Il sort d'où ce type? C'est quoi sa maison de con là? Y'a que lui, mais putain! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait même pas d'où il sort. Ah, j'aurais dû vraiment choisir les régents. Hein, vraiment, c'est. Il y a des trucs qui se perdent. Hein. Bon, du coup. Ah,
perdre le chien, mais c'est pas grave. On s'en fout de perdre le chien. Ça doit être par contre quand même. Ah, il est revenu. En tout cas, je voulais faire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas tant pis, on y repensera après. Là, ça devient compliqué parce que tu me diras, on recommence, on va dire, à 14 ans. Or que lui, je sais plus à quel âge il a commencé à régner. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais c'est lui qui a créé le. Ah, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Histoire des titres. Ah, il a créé 16 ans. Il avait 31 ans. Ah, il avait quand même régné à un assez jeune âge. Un assez jeune âge. Il faudrait que je vérifie un petit peu si mes artefacts sont pas en train de se casser la gueule. Non, ça devrait aller. Parce que ça fait quand même un moment que je les ai, ça serait dommage d'en perdre un. De toute façon, normalement, le jeu te prévient que t'en as un qui va se briser et tout. Ok. C'est pas si mal. Il y a pas mal d'argent pour pouvoir quand même améliorer un peu le comté qu'on a. Pour se faire un peu plus d'argent rapidement. Limite d'approvisionnement en plus pour les troupes, c'est franchement pas mal. Le coût est réduit en plus pour les festins dans, directement à la capitale. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ici, c'est quoi que je peux construire? C'est une université. Ça coûte très cher. Il faut que... Ouais, d'accord. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de choses. Je perds un peu en dévotion, pour, en piété, pourquoi? Ah ouais, d'accord, sadique. C'est pas grave. Ok. Ma sœur, est-ce qu'elle était censée être... Elle est stupide. Si tu veux. Elle est stupide, mais elle sera une bonne intrigante, je suis d'accord. Et lui, petit frère, de toute façon, je peux pas agir sur lui. C'est qui celui-là? D'accord. Je sais pas c'est qui ce type, mais il va. Ouais, d'accord. Et oui, c'est bien. Apparemment, ils sont puissants. Ils veulent diminuer l'autorité de Couronnel. Mais ça, ils m'aiment pas, pourquoi? La légitimité, bah oui, bah pour avoir plus de légitimité, il va falloir que je fasse des trucs. Ça, les dirigeants, non, la légitimité, tiens. Que je fasse il va falloir que je trouve un moyen de d'augmenter ce niveau. Remportant des guerres, libérer des prisonniers de valeur, créer des légendes, accordant qu'ils soient sur le coup. Ok. On va faire ces trucs là. Ok. Il va falloir que je trouve les prisonniers, tout ce qu'ils vont avec. Ils avaient dit que c'était quoi d'autre aussi? Ah putain, c'est pas assez rapide. Allez, bouge-t'en. Voilà. Et ils avaient dit que c'était quoi d'autre? Des complots hostiles, blablabla. Impossible de pas. On va bien voir. Ils sont à la colère. Qui Urson? Ah, c'est le duc de Corse. C'est moi, Edouard Machin? Non, c'est Alberto, mes couilles. Allez hop, la petite victime. Ça, c'est pas mal, sérieux.
victimisme à court. C'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. On va arriver dans les alentours de saison, on va pouvoir prévoir des trucs. Dommage. C'est quoi? Variole des bardas. Ah, c'est un truc qui peut foutre la merde. Ah, celui-là, il a le trait charmeur. Si t'as le trait charmeur, je vais te faire un diplomate. Est-ce que t'es bon en tant que tuteur diplomatique? Non, pas tant que ça. Tutelle diplomatique. Oh, c'est mon régent, il fait chier ce régent. Je vais pas lui donner. Je vais pas lui donner ce bonheur. Hein. L'assassin en route. Vous avez un. J'assassine qui là? D'accord. Pourquoi pas? Ah mais c'est parce que j'influence ce connard. C'est pour ça que je peux pas plus. Ouais non mais c'est pas un problème. Qu'il fasse son voyage, qu'il fasse son voyage. Il a pris gêne. Je crois qu'il était pise. Ouais, oh, c'est pas si grave, c'est bien aussi. Bon, ça m'énerve parce que les murs de gêne, elles sont cool. Et puis, c'est quand même un endroit assez fortifié. Et du coup, très chiant à prendre si jamais il se rebelle ou quoi que ce soit. Ah oui, ça. Tenez, ok. Bien. Non, c'est pas ici, c'est ici. Il a été construit, mon bâtiment. Il faut encore un peu de temps. Ah, il va falloir beaucoup de temps. Combien de temps? 4 ans. Ah oui, non, d'accord, ça met du temps à se construire, d'accord. Ça marche bien les festins ou on s'en branle? Ah, ça a l'air d'être pas si mal. Mais en tout cas, je peux pas accorder une censure sur les enfants. Bah oui. En vrai, je peux rien faire parce que je suis un gamin. Bon, on va attendre encore un peu. C'est pas si long. Ah si, c'est très long. Emprisonner les criminels, ouais. Pourquoi? Ah, c'est un tyran, d'accord. Bon, vu là. Il y a certains ducs qui commencent à être un peu vieux. Hein. Oh, c'est une duchesse, ça. Bah, qui ça va hériter, ça? Ah, une dame aveugle. D'accord. C'est pas si longtemps que ça, enfin j'espère dans quand même pas mal de temps. Ça sera une dame aveugle qui régnera sur ce truc. Bon, après elle a 14 ans donc elle a le temps de vivre. Sauf si elle, comme mon roi précédent, elle se fait enfermer dans une cave et c'est la merde. Enfin on verra bien. On verra bien. Ça c'est pas si mal. Ça c'est un truc à construire. J'ai un château. Mais bon, 80 pièces. C'est cher! C'est cher. Ah bah ouais. Mettre pas la régence. Rien à offrir. On lui fera une faveur. Hein. L'intérêt éducation a été vrai. Perdu le trait vrai. Oui. Je suis arrivé à Florence pour vendre le. Ah oui, c'est super, c'est génial. Très bien. Ah, ces trucs avec le partage de pouvoir, c'est quand même. C'est quand même un petit peu ennuyant. Si je gagne plus 3, je vais pouvoir. Ça pourrait être super intéressant. Richesse, c'est bien, mais je peux m'en faire 100. Paf. Je suis quoi en fait? J'ai pas vu. Ah ouais, d'accord. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. C'est un grand mariage. Hein. Un grand mariage, c'est 400 dollars. Hein. Ah oui, non, d'accord, il y a des promesses à faire et tout, ça, c'est pas.
Ok. Allez. Ça, c'est pas si mal. On va faire ces conneries. Parce que je veux toujours créer une hybride, moi. Former une hybride, c'est déjà... Rien que ça, c'est déjà 1500. 1500, c'est pas faisable de les avoir. Je peux pousser, mais ça va être intéressant. Grand tournoi chasse disponible, accorder une audience. Accorder une audience. On va accorder une audience, ça ajoute un peu de légitimité, même si on perd un petit peu. Enfin, ça, on perd un peu de prestige, mais ça va nous donner un petit peu de légitimité. Allez. Que j'avais d'organiser un grand rassemblement. Vas-y, vas-y. Sérieux. Mon travail est donc terminé. Alors ça, ça a donné un pop un petit peu. Qui c'est qui a... Le doge mes couilles a maintenant une revendication sur le truc de... Je sais pas, je suis en train de tuer un type, je sais pas qui c'est. Ah, c'est génial. Voilà. En tout cas... On arrive quasiment, on est à la fin de cet épisode, c'était pas si mal, hein. Je vous invite à vous abonner, à aller dans l'onglet communauté pour rejoindre le Discord, il y a des vidéos qui sortent de temps en temps, là on n'est pas si mal, malgré le fait que bah, notre légitimité est un peu à chier, mais on va faire, la prochaine épisode on va commencer par un banquet, je pense que c'est pas si mal, et moi je vous dis à une prochaine.